C'était un de ces jours où, sans s'en exclure, il trouvait l'humanité laide. Du matin jusqu'au soir, une pluie lourde avait lessivé Paris, et sous un ciel d'automne, il avait erré sans but. À 68 ans passés, grand, assez svelte, droit comme un i, Tristan Thalberg en imposait encore dans les rares salons que sa misanthropie l'autorisait à hanter. Coiffé d'une crinière blanche et longue, son visage tenait du florentin de la haute époque. Il n'eut pas à se forcer pour faire un dante acceptable. Nez aquilin, yeux gris, à l'éclat métallique, mou cadenassé de juge du Saint-Office. Il en abusait volontiers pour faire fuir l'ennemi. Auteur de 25 ouvrages en tout genre, du roman à l'essai en passant par la poésie, Thalberg était un maître au nom révéré, un chef de file littéraire. Bref, un écrivain arrivé. Si je suis arrivé, c'est que je n'allais pas bien loin, se plaisait-il à dire. C'était la moindre de ses coquetteries. Au fond, Thalberg était un vaniteux contrarié, un monstre d'égotisme, un joli cuistre, même quand on le laissait faire. Le prix Nobel, lui qui avait reçu 2 ou 3 des prix littéraires les plus en vue, jamais il n'y avait songé. Trop institutionnel, trop kitsch, trop naphtaliné, trop loin de lui en somme, qui n'aspirait plus désormais qu'à une retraite studieuse, peuplée de livres aimés, et à des marches solitaires sur les landes de Bretagne ou le flanc de quelques puits auvergnats. Depuis 48 heures maintenant, les quotidiens en avaient fait leur miel qui s'étalait à la une. Le Figaro, qu'est-il arrivé au prix Nobel ? Quelques 48 heures après l'annonce du prix Nobel de littérature consacrant l'œuvre du romancier, poète et essayiste français Tristan Thalberg, la police n'exclut aucune piste. Aucune revendication ou demande de rançon n'étant parvenue chez son éditeur, le monde de la culture retient son souffle, sans pouvoir écarter l'hypothèse du pire. Rappelons que Tristan Thalberg est apparu sur la scène littéraire de manière fracassante au début des années 70 avec « L'homme descend du songe », un roman hommage à quelques-uns de ses maîtres qui lui valut l'estime de tous et la crainte de chacun. Tant sa plume redoutée a longtemps fait ou défait les réputations. Ayant depuis la mort de son épouse il y a 5 ans renoncé à toute vie mondaine, il se tenait à l'écart du vacarme médiatique dont chacun se rappelle le portrait à charge, dressé par lui dans un pamphlet resté célèbre. Interrogé à ce propos, le ministre de la Culture a évoqué une figure majeure de notre littérature, bien que volontairement marginale. Libération, pas vu, pas pris. Desperately seeking Tristan. À 68 ans, Tristan Thalberg, bien connu pour ses imprévisibles foucades et son mépris des projecteurs et des faux-semblants, joue-t-il encore une mauvaise farce à ses lecteurs ou a-t-il été victime d'un endémement crapuleux ? Les rumeurs allaient bon train hier soir. Interrogé, ses confrères se refusaient à commenter sa disparition. Seul Philippe Solers, du bout de son fume-cigarette, y allait de sa théorie personnelle. Le prix Nobel consacrant l'assomption de tout littérateur, il est normal qu'il le fasse disparaître, comme la télévision a escamoté l'œuvre, l'écrivain, au profit de gueules cathodiques, comme l'a si bien prophétisé Gombrowicz. Disparition réelle ou symbolique ? Il n'en demeure pas moins que l'inquiétude grandit à mesure que les heures passent. De nombreux témoignages affluent attestant sa présence à Paris, en province et même à l'étranger. Mais pour l'heure, le lauréat du prix le plus convoité de la planète est toujours introuvable. Le Monde,